Donc, nous allons regarder les cas d'utilisation que nous allons utiliser pendant cette académie DHS2. Comme je l'avais dit, nous sommes vraiment touchés par cette pandémie qui nous touche tous. Du coup, cela fait office des différents trackers que nous allons utiliser pendant cette formation DHS2. Donc, nous aurons à comprendre les différents packages qui ont été utilisés, comment est-ce que ces packages ont été programmés, quels sont les modules additionnels qui ont été rajoutés pour pouvoir vous offrir toutes les informations que vous voulez. Donc, c'est ce qui va nous permettre de présenter les données à partir des outils d'analyse que nous avons dans le DHS2. Maintenant, par rapport au COVID, nous savons que, y a aussi le package agrégé qui a été conçu en plus du module Event qui nous permet d'enregistrer assez rapidement nos cas. Donc, au-delà de ça, nous avons aussi, sur le volet tracker, programme tracker, nous avons aussi un tracker qui nous permet de faire le contrôle au point d'entrée et de faire le suivi, sans oublier les cas contacts, d'accord? Et ensuite, nous avons aussi un second tracker sur la surveillance basée sur les cas et qui nous permet aussi de collecter les informations de laboratoire. Donc, pour finir, nous avons aussi le registre de vaccination lié au COVID qui sera aussi utilisé dans cette académie que nous avons actuellement. Donc, par rapport à cela, nous savons que tout part des informations ou de la personne qui vient en fait dans la formation sanitaire ou dans un centre ou par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne est un cas suspect. Donc, on lui pose certaines informations, mais par rapport à son état, c'est un patient qui peut être hospitalisé ou non. Maintenant, s'il est hospitalisé, on sait qu'il va recevoir un traitement, hein, par rapport à cela. Et au même moment, les informations de cette personne, hein, est répertoriées quelque part, ce qui nous permet de pouvoir collecter certaines informations de la personne. Et il y a une demande de laboratoire qui est effectuée pour que cela aboutisse à un résultat. Donc, le laboratoire aussi va pouvoir donner le résultat d'analyse par rapport à cette personne. Et il y aura un suivi qui va commencer en fonction du résultat de la personne. Si cette personne n'est plus un cas suspect ou pas, c'est un cas guéri ou peut-être c'est un cas vraiment qui a été confirmé, ou peut-être il y a malheureusement, il nous a quittés ainsi de suite. Par rapport à l'issue du patient, il y a aussi cette phase qui peut être amorcée, soit peut-être dans l'hospitalisation de la personne ou l'isolement de la personne, mais si ce n'est pas un cas qui doit être suivi, nous allons pouvoir permettre à cette personne de pouvoir sortir du programme, mais sans oublier que ces données seront enregistrées dans le système et c'est ce qui nous permet de faire cette surveillance par rapport au COVID, au COVID. Ensuite, nous avons cette schématisation qui a été apportée dans le DHS2, où au début, nous avons bien sûr l'enregistrement de la personne dans le système. D'accord? Donc ici, nous prenons les informations liées aux attributs, notamment la date d'apparition des symptômes, ainsi de suite. Son ID sera noté. Et s'il a plusieurs ID ou le pays décide d'avoir un ID, toutes ces informations seront notées. Et ce qui va déclencher en fait d'autres étapes dans la surveillance. Donc à part ça, il y aura bien sûr une phase d'examen clinique où nous allons collecter les informations liées aux symptômes et aux signes cliniques, savoir si la personne a été hospitalisée, comme on l'a vu tout à l'heure, et les risques d'exposition qui entourent cette personne-là.
Donc, ce sont des informations que nous avons déjà sur les outils standardisés de l'OMS, harmonisés aussi par les pays et qui ont été mis en place. Donc, nous partons sur la base de ces supports standardisés qui nous ramènent vers la demande d'analyse. Donc, nous allons renseigner sûrement les motifs du test de dépistage, aussi les demandes de tests ainsi, toutes les informations très utiles. Et ensuite, il y aura le résultat du test qui sera donné par le laboratoire. Et bien sûr, on peut faire plusieurs tests par rapport à la personne. Donc, il y aura des étapes répétitives. Et je pense que Jerry aussi va revenir sur ce point. Qu'est-ce que nous appelons attribut, qu'est-ce que nous appelons élément de données, qu'est-ce que nous appelons traque entité instance. Donc, ce sont des termes que Jerry va développer juste après moi. Et tout cela va concourir au résultat clinique de la personne. Maintenant, si cette personne-là est en contact avec certaines personnes, il y aura le programme d'enregistrement des cas de suivi, des cas contacts, pardon, qui sera bien sûr mis en relation avec notre tracker de surveillance. Donc, nous pouvons aussi, à partir de relationship, établir ce lien entre un cas et puis les cas contacts. D'accord? Donc, à ce niveau-là aussi, nous allons collecter certaines informations liées aux symptômes et les autres informations d'identification de la personne. D'accord? Et suivra plus tard la vaccination. Donc, par rapport à notre programme de vaccination, nous avons aussi la possibilité de pouvoir notifier les informations liées au sexe, au ID et autres informations, nos prénoms, ainsi de suite, par rapport à la personne. Et cette personne va rentrer dans les étapes répétitives liées à la vaccination selon le type de vaccin qu'il prend. Donc, ce sont des 16 ans d'informations là que nous allons collecter. Nous allons voir comment est-ce que cela a été programmé. Et plus tard, dans une autre formation, nous allons nous appesantir sur la conception. Donc, malheureusement, ici, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser les données issues de cette configuration. Et sans oublier que nous avons aussi la possibilité d'envoyer des SMS. Donc, des SMS aussi peuvent être envoyés selon que le pays ou l'organisation décide de pouvoir mettre en place une passerelle qui va alerter les gens pour les rappeler les dates des prochains rendez-vous ou d'autres informations, peut-être envoyer l'identifiant unique à la personne. Nous allons pouvoir voir comment est-ce que cela a été géré. Et ensuite, les autres informations liées à la vaccination seront bien sûr collectées. Et plus tard, si nous avons des MAPI, il y a aussi ce tracker-là qui sera utilisé pour pouvoir collecter ce genre d'informations. D'accord? Donc, il y a d'autres informations plus détaillées sur les différents packages, ce que je viens de présenter. Donc, je vous invite à cliquer sur ces liens et à suivre tous les packages de surveillance qui ont été développés et ensuite par rapport au volet de vaccination. Donc, il y a toute une chaîne qui a été créée sur le DHS2. Il suffit de cliquer sur les liens pour pouvoir accéder directement au package, d'accord? Et vous aurez aussi la possibilité de pouvoir suivre les vidéos YouTube que nous avons aussi apprêtées pour cela. Donc, ici, vous aurez plus de détails sur les points que je viens de citer par rapport au package COVID que nous avons. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais sachez que vous avez tout le temps nécessaire pour pouvoir revoir toutes les configurations qui ont été faites, les différents packages qui ont été mises en place pour pouvoir nous permettre tous de collecter les informations de COVID. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois beaucoup plus les questions liées au Moodle. Mais est-ce qu'il y a quelques questions par rapport aux différents packages? Je pense que Jerry aussi donnera d'autres détails par rapport à cela. Et tout au long de cette semaine,
Nous aurons la possibilité de pouvoir parler de long et en large de ces différents packages qui ont été développés, mis à disposition, que certains pays utilisent déjà pour la surveillance et puis pour la vaccination. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans Slack. J'en vois pas encore. Je pense que. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais donner la parole Allô? à. Oui. Merci beaucoup, monsieur Agnew. En fait, ce n'est pas une question, mais merci pour la présentation. J'aimerais juste savoir, nous qui avons déjà utilisé DHSD, parce que je me rends compte que quand on veut se connecter, à chaque fois, ça refuse. Non, je ne sais pas comment on peut gérer ça. Parce que tout à l'heure, il n'a pas pu accéder à l'instance. Parce qu'il avait déjà utilisé ça une fois. Donc, il y a un mot de passe qui est là-bas. Ça, même quand je mets les autres mots de passe, ça ne passe pas toujours. Donc, c'était ma préoccupation. Merci.